apprendre que depuis le 1er janvier 2018, en Allemagne, les grandes entreprises du web peuvent se voir condamnées en Allemagne, donc à une amende de 50 millions d'euros si elles ne parviennent pas à supprimer des messages illégaux en moins de 24 heures. Donc certains le font déjà, c'est pas de la politique fiction, c'est de la politique tout court. Non, exactement. C'est une loi qui existe déjà en Allemagne. Alors, c'est vrai que dans la proposition de loi que j'ai déposée, il y a des mécanismes d'accompagnement qui sont bien plus présents avec justement le rôle du CSA. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Ouais. Mais il faut savoir qu'en Europe, on a aussi les Belges qui sont en train de travailler sur ce sujet, les Anglais aussi. Les pays nordiques sont dessus également. Donc, il y a vraiment une convergence des États européens pour cette nouvelle régulation du numérique et puis surtout dire juste qu'on ne peut plus tolérer qu'Internet soit un lieu dans lequel ces contenus illicites peuvent justement prospérer impunément.